Bonjour Pierre-Paul. Salut Philippe. Ah, bah écoute, mais c'est fabuleux. Aujourd'hui, voilà, un, on appelle ça un producteur qui vient du Sud. Exactement. Hein c'est exceptionnel. Alors écoute, Philippe, bienvenue dans notre émission parce que c'est un moment fort pour nous. Parce que je sais que, ô combien tu es un producteur apprécié et de, de Sapam, avec eux tu travailles depuis très très longtemps. je oui, crois exactement. que Ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille ensemble. Ouais. Alors, nous ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment pour donner à nos, à nos auditeurs, c'est de savoir comment tu, tu cultives, comment tu élèves ces légumes, comment tu les produis, le terroir, etc. Est-ce que tu peux nous donner quelques explications là-dessus ah Oui, tout à fait. Eh bien, dans, les, dans les productions de légumes, euh, tu vois, je t'ai amené des, des radis japonais. On cultive ça au pied du rocher de Roquebrune sur Argens, dans le Var. Alors, ça, ça s'entend à ton accent, bien sûr. Hein. Là, vrai que... ouais. Et donc, euh, et aussi, j'ai une gamme de petits légumes, entre autres qu'on décline dans les betteraves, les navets, les radis et les carottes. Alors, et ça, voilà. c'est un des fers de lance de Alain, nous en parle tout le temps, de ces petits légumes, qui sont, mais alors, qui n'ont rien à voir avec ces petits légumes qu'on trouve parfois en barquette, etc., etc., qui sont très, très jolis aussi, mais qui, malheureusement, n'ont pas cette, ces formes, qui n'ont pas ce goût, qui n'ont pas ces couleurs. Quoi. Donc, là aussi, spécificité très particulière pour. Pour la culture, pour la, la production, pleine terre, comment comment tu fais tout ça Complètement, c'est des légumes que que nous cultivons en pleine terre et euh, je leur laisse le temps de pousser. Ils ouais. sont petits, mais je les presse pas. C'est ça. Tu... Ce qui est important, c'est le goût ouais. qu'on va retrouver dedans. Voilà. Après, c'est vrai, parfois les formes, on va avoir des formes différentes, mais c'est la nature. Ben ouais. C'est un peu l'impôt de la nature, il n'y a pas que du beau. Voilà. Ouais. Mais par contre, on essaye d'avoir un produit qui a beaucoup de. On prix. va peut-être voir maintenant ensemble, si tu veux bien, ces fameux petits légumes aussi. Donc tu vas nous donner un petit peu ses spécificités. On va <laughs> les mettre un petit peu par là, voilà, je pense que c'est bien. Donc dans la gamme de, de mini-légumes que, que, que nous proposons avec la Sapam, on a ce plateau qui est composé généralement de 5 à 6 variétés de mini-légumes. Alors on va les faire voir un petit peu on voilà. peut peut-être commencer par ça. Alors là, cette année, pour, pour les fêtes de Noël, on a rajouté le brocoletti. Par chez nous, on appelle ça l'asperge aussi d'hiver. Brocoletti, donc parce que... Brocoli, quand même un petit peu, parce qu'il a un peu la même forme, la même texture, la même, la même douceur. Des, ce sont tout à fait ce sont des repousses de choux. Elles se déclinent aussi bien en choux clair de couleur verte, ou bien en choux violet. Mm -hmm. C'est des, des repousses de brocolis, mais des, des variétés spécifiques que nous cultivons par chez nous. Ensuite, donc, on a... Là, je pense que ce sont des, des mini-fenouilles. Mini hein, donc, voilà. on peut voir ici. Donc, là, pareil, ça, c'est le côté un peu anisé, etc. Complètement. On peut utiliser à la fois les tiges, mais aussi, bien sûr, le, le bulbe. Pardon. Hein. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait des petits poireaux, là, comme ça, qui sont magnifiques. Voilà, on, on travaille aussi un petit poireau qui a, par chez nous, on, 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 auparavant, mes, mes grands-parents mes grands récoltaient les poireaux de vigne dans les champs. Et euh, aujourd'hui, on cultive des variétés toujours dans nos terres sableuses euh, de poireaux qui vont avoir une, 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 forte, une bonne saveur euh, et aussi, ce qui est surprenant, une saveur sucrée. D'accord. Ensuite, là, on a une variété de petites carottes, je pense, hein, c'est ça, de différentes couleurs Complètement. Donc, les carottes qu'on décline aussi bien en, en orange, en blanche, en pourpre. Et euh, selon les, les arrachages, les semaines d'arrachage, on a aussi de la jaune. D'accord. Ensuite, on a euh, bah, là, je pense que ce donc sont ça, des. Ça, c'est un, euh, un petit, un mini radis misato. Oui, c'est ce que petit, tu nous as présenté voilà, tout à l'heure. Donc, retrouve un, mini... un Qu'on décline en petit. D'accord. Et euh, de manière à avoir un assortiment de navets, parce qu'on travaille aussi euh, celui-ci, qui est un mini navet marteau des vertus. Oui. Donc, c'est un, un des navets les plus sucrés. D'accord. Ensuite, les petits, les petits, les petits radis, radis noirs. noirs hein, complètement. Qu'on a vu tout à l'heure en plus gros. Et qu ce qu'il y a encore Est-ce qu'il y a une spécificité encore dans ces petits légumes Alors c'est là, on sent vraiment, on est proche de la terre, quoi. On a l'impression qu'on est encore ah, dans, ton, dans, ton, dans, ton, dans ton, exploitation, quoi. Je veux dire, on est en train de produire, de, de ramasser le, le légume. On sent encore le côté parfois un petit peu un peu terre. En tout cas, un grand merci à toi, euh, Philippe, d'être venu. Bah écoute, -Paul, Alain et Anne m'avaient parlé de toi et ça me fait vraiment plaisir de te rencontrer. Je te fais la bise. Et puis à très bientôt. Bon retour dans le Var. Au revoir. À très bientôt et n'hésitez pas à rencontrer Philippe Poda à Roquebrune-sur-Agence.